Ouais, shalom le prophète Krasso. Nous sommes à cette date aujourd'hui, le 24. Jeudi 24, je suis à mon centre de prière, l'écoute, c'est le centre de prière. Et en même temps, je suis avec le plus grand sorcier de Goran. Voilà, de Goran qui est. Comment tu t'appelles? Lucia Jean. Lucia Jean. Ouais, tu reconnais que tu es le grand sorcier de Goran? Je reconnais. Tu reconnais ça? Voilà, tu as fait quoi? C'est qui m'a tué là? Non. Tu as tué avant d'envoyer des trucs. Tu as fait quoi? Mes deux enfants là. C'est moi-même qui ai fait. Oui, mais tu as tué combien toi-même d'enfants? Ce que j'ai né là. Oui. Ça fait cinq. Tu as tué cinq de tes enfants? Oui, et puis. Oui, non. Donne-moi le nom des gens que tu as tués. Le nom là? Oui, donne-moi. Aya, ici Aya. Ici Aya, c'est qui? C'est mon enfant. Ton enfant. Oui. Tu as fait quoi? Tu as tué? Oui. Tu as mangé? Oui. Il est mort, c'est toi qui l'as tué. Oui. Tu le reconnais? Tu as fait quoi encore? Il y avait l'autre. Ils sont deux garçons. Mmh. Ils s'appellent Zaka. Mmh. Ici à Zaka. Mmh. L'autre. J'étais. Dans le ventre d'un moment, oui. Tu as tué. Mm-hmm. Et puis, l'autre, c'est deux femmes. Mm-hmm. Ils ne sont pas encore, ils sont comme ça. Mm-hmm. C'est toi qui as tué. Mm-hmm. Les gens, tu as tué à Goro, là, il faut dire. Pour moi-même, là. Oui, ça c'est pour toi. Maintenant, ce que tu as fait à Goro, là, il faut dire. Parce que toi-même, tu as un filet. À Goro là-bas, là, tu as filé, tu prends pour jeter ça chez les gens. Tu as caché ça. Hein? Tu as caché ça. C'est toi qui as la clé de Goro. C'est pas ça? C'est pas ça? Ah, tu as ça. Ta caméra là où c'est? Tu as caméra. Quand tu es à Goro, tu regardes. Tu as programmé qui? Parmi tes enfants là, tu as programmé qui? Tu m'as dit tout à l'heure là, tu as programmé un de tes enfants qui est en Europe. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rémi Kato. Hein, tu appelles quoi? Lucia Kato. Oui, Rémi. Rémi. Tu l'as programmé. C'est ça? Oui. Tu l'as programmé. Oui. Pour le tuer. En février, le 8 février. C'est ça? Oui. C'est ça? C'est ça? Comment tu as fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein? Je sais pas la diable, la façon dont il me. Il te manipule. Je ne sais pas. C'est ça? Tu sais pas ce qu'il te fait? Mm-hmm. Et puis tu gâtes. Je gâte comme ça. Tu gâtes comme ça. Hein? Tu gâtes comme ça. Tu sais au moins que tu as tué beaucoup de personnes. Tu sais sur moi, non? Tu sais que tu as tué beaucoup de personnes. Oui. Tu sais ça? Tu sais ça? J'accepte. Non, pas accepter. Tu sais au moins. Oui. Mais je suis là. Tu me connais. Oui, puis tu ne viens pas te faire dénigrer. Pourquoi? Tout gros là, tu sais que c'est toi, tu as ça, non? Tu sais ça, non? Hein? J'ai détruit ton dragon. J'ai gâté ça. Tu étais là, non? J'étais là. Tu as vu le dragon là, non? Tu as vu ça, non? La télévision, là, tout à l'heure. C'est pas la télévision. Je suis allé détruire ton dragon là. Vos dragons là, j'ai détruit ça. Maintenant, pourquoi tu n'es pas venu me dire? Tu n'es pas venu dire tout ça. Pourquoi tu n'es pas venu dire? Hein? Le dragon qui part, tu prends pour aller prendre le sang de l'homme là, j'ai tué. Ça, c'est, tu as vu ça, non? Mm-hmm. Mais pourquoi tu n'es pas venu te faire délivrer? Pourquoi? Tu me connais? Je connais. Hein? Mais ce que j'ai dit très bien ici, là, oui. C'était que vous dites que j'étais. Voyager. Voilà. Et puis, Zoukan. Maintenant, tu es en train de manger deux enfants. Et tu vas tuer Rémi. Hein? Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore dit. Hein? C'est pas que tu es rentré dans mon bureau, tu as envie de parler. C'est toi qui es venu parler ce soir, là, non? Tu dis que tu vas me voir, c'est pas ça? Hein? Hein? Hein?
Les 558 gens que tu as tués, 500 personnes, 558 personnes, 558 personnes. Tu dois me dire, tu reconnais les 558 personnes. Donc tu dois rentrer dans les détails. Tu rentres dans mon bureau ce soir pour dire que tu as parlé. Hein? C'est pas ça? Il faut parler. Ton dragon l'a tué. La clé de gros là, tu as ça. Ton filet là, tu as ça. Mais vous avez tout ça là, au lieu de venir. Hein? Tu es en train de, tu manges, tu es en train de gâter tout autour de toi. Pourquoi tu fais ça? Monsieur, pourquoi tu fais ça? Vraiment. Ton père. Oui. Diable là. Il te fatigue. Mon diable là, c'est vrai. C'est fort. Ce que j'ai fait là, j'ai mal fait. Tu as mal fait. Oui. Maintenant, tu as mal fait là. Pourquoi tu ne marches pas pour venir ici? Juste hôpital. C'est ça que je parle là. Hein? C'est comme j'étais. Tout ce qui m'a trouvé là. Hein? Moi-même aussi, j'ai le jour que j'ai dit. Je veux venir. Je viens ici. Je voyage. Voilà, voilà. Mais tu es menteur. Tu mens. Parce qu'il y a une affaire qui est passée sur moi là. À la maison. Bon, on a programmé ça. On dit, chaque, il n'y a qu'à payer 5000 francs pour venir pour parler cette affaire là. Bon. J'ai dit non, attends. Mm-hmm. Tu sais que toi-même là, vos dragons, toi-même tu es au courant de ton dragon là. Vos dragons que vous élevez là-bas, là, tu es au courant. Tu sais qu'il a détruit ça. Tu sais que je ne suis pas parti, je ne vous ai pas attrapé, mais j'ai détruit au pouvoir, n'est-ce pas? Hein? Tu as la clé. C'est toi qui emmènes les gens à gros. C'est toi qui fais provoque les accidents. Toi-même tu sais. Pourquoi tu ne viens pas me voir? Et puis maintenant tu as mangé deux enfants, c'est maintenant que tu viens. Je te demande. Hein? Pardon. Tu as mangé, tu dis pardon. Tu as mangé là, c'est pardon. Tu n'as pas mangé? Hein? Tu as mangé? Eh, sort, tchétchera. 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 Eh, foutu. Yadi. Yadi. Il n'y a pas mouton, il n'y a pas cabri. Pourquoi tu manges l'homme? Pourquoi? Pourquoi tu manges l'homme? Pourquoi? Pourquoi? Monsieur, pourquoi tu manges l'homme? Tu as tué Rémi, pourquoi? Yadi. Pourquoi tu as tué Rémi? Pourquoi tu as tué Rémi? Pourquoi? C'est ton fils. C'est ton fils. Mais pourquoi tu veux le tuer? Tu l'as programmé, tu vas le tuer en février. Pourquoi? Il va mourir dans la cité. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce qui fait que les gens ne viennent pas gros. Ils ont peur de venir gros. Ils ont peur. Tu as vu que ce qu'on a dans les faits, là, ça t'a poursuivi, non? Hein? Si vous avez des sorciers dans vos villages, que ce soit au Cameroun, surtout je guette le Cameroun. Le Cameroun, la Guinée Conakry, la Guinée équatoriale, invitez-moi. Parce que l'Afrique a besoin de se développer. Si vous avez ces mangeurs d'âmes, ces délinquants dans vos régions, l'Afrique ne va jamais se développer. Vous avez des enfants en Europe, au lieu de s'occuper d'eux, qui s'occupent de vous ici, et vous les mangez. Affaire à suivre, shalom.